suis contente pour toi. Ah, merci, maman. Hey, regarde maman, comment tu es beaucoup. Très beau. Hein? Comment va les gosses? Très bien, maman. Hey, mon fils est de retour, Seigneur, merci. Je suis vraiment contente. Je te présente mon ami. Oui, merci. Mon cher, tu merci, es le bienvenu. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci, hey, Nduka, mon fils. Nduka, je sais ce que tu aimes beaucoup. Oui, je vais vite préparer ça. Merci beaucoup. Hey, mon fils. Hey, mon merci, fils bon retour, là. Bienvenue mon fils. Merci. Depuis que je t'attendais, que la paix soit avec toi. Merci. Sois le bienvenu. Merci. Je te présente mon ami, Félix. Oh, Félix. Oui, monsieur. Sois le bienvenu. Merci, monsieur. Je l'ai amené ici pour témoigner du festival d'Eridji. Félix, tu auras beaucoup à découvrir pour tout le temps que tu auras ici. Tu auras beaucoup à découvrir. Je te présente mes oncles. Okay. Lui, c'est oncle Elo. Et lui, oncle Jaguar. Merci. Oui, bonjour. Sois le bienvenu. Appelle-moi James. Oui, c'est un bienvenue. Plaisir, bienvenue. Merci beaucoup, je suis très flatté. Papa, ça c'est un cadeau pour toi et les anciens. Oh, les anciens, ah, hein? Ouais. Regardez, vous avez vu? Regardez. Oui, c'est vraiment un fils à son père. Regardez. Hello. C'est une qualité supérieure. C'est bien. Merci. C'est le type de vin qui donne de la vigueur au sang. Ça, je le même rôle que l'autre là. Non, l'autre là, oui, il faut le sang. Là, il faut vraiment, il en tout cas, merci que Dieu te bénisse. Merci. Merci. Que Papa. Dieu te bénisse. Oui, ok, ça va. Ok, allons-y. Oui, mon ami. Les anciens, soyez à l'aise. Oui, merci beaucoup. Vous avez vu vous-même? Oui, nous l'avons tous vu. Ah, mais c'est un bon geste. Votre... Ah, mais qu'il est bon d'avoir un fils pareil. Goûtez à ce vin. Ok, merci, mon maintenant Dieu. Que je vais discuter avec mon okay, fils. Je ok, bientôt. Prends ton temps, je suis très oui, c'est normal, merci. Gilio. Peut-être qu'il serait mieux que... Papa, mais c'est logique, parce qu'il a l'argent maintenant. C'est pour ça qu'on dit qu'il soumet toute personne qui n'a pas d'argent sous son contrôle. Or, vous êtes de même nature que lui. Et pourtant, combien ici ont cherché à prendre ce travail? Personne. Je vais prendre même l'exemple des fils de Ngovo. Lui s'est retrouvé facilement. C'est voleur. Papa, ce garçon est un voleur. Là, tu peux écouter ce que je dis. Tu es sourd? Alors, de quel garçon? Le garçon qui est mort. Il n'aime pas vraiment trop en parler sur ça. Pourquoi ce garçon n'était-il pas mort dans la maison de son père avant qu'il l'amène? Papa, que veux-tu insinuer dans tout ça? Toutes ces sécheresses et lèvres de... au Mwego. Et cela lui permet.
Pensez tous les deux. Pensez à cela. Ediofa, mon frère, ta proposition n'est pas mauvaise du tout. Mais en réalité, ma future femme est une comptable. À présent, elle effectue son stage professionnel au Ghana. Une fois fini, nous allons nous marier. Oh, ça c'est super. Merci monsieur, merci. Ma femme, fais ça. Je l'ai entendu. Oh. Ça c'est un homme patient. Suivez bien son exemple. Maman, j'aimerais que tu gardes ta santé. Hein? Faut beaucoup prier. Hey, merci. Je suis contente pour toi, mon fils. Merci, papa. Bon voyage. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Te bénisse beaucoup davantage. Écoutez, prenez très bien soin de papa et maman, ok? Quand est-ce que tu reviendras nous voir? Ce ne sera pas pour longtemps, ok? Ok. Ah. Il viendra encore nous rendre visite. Bye bye yo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye yo. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Madame. Bonjour chérie. Bonjour chérie. Bien. Comment vas-tu? Bon, ça va. Ouzo. J'ai créé ces nouvelles branches pour que mes affaires marchent bien. Malheureusement, ça ne marche pas. Un mois, après tout un mois, l'histoire ne fait que se répéter. Ça devient même pire. Pourquoi? Grand frère, vous maîtrisez bien ce business. On a besoin de temps pour se stabiliser, pour que le client vienne nombreux. Toutefois, ce milieu n'est pas compliqué pour les affaires. 2 ans, c'est peu, Ouzo. Je connais tout de même d'autres gens qui ont fait le même business électronique. Et exactement dans le même shop, au même moment. Regardez mon ami Félix. Sur base d'un seul shop. Il a été capable d'en créer un autre. Mais deux shops,
mes deux shops, mes deux bons shops n'ont produit rien du tout. Et je vis réellement grâce à d'autres affaires. Chérie, je pense que le problème se trouve au niveau de l'organisation comptable. Le choix du méthode d'inventaire ne convient pas et elle n'aboutit pas au résultat. Hé les gars, le contrôle de votre comptabilité ne peut être fait que dans vos factures d'achat et les recettes de vente. Sinon, vos garçons commenceront à vous voler inutilement sans que vous soyez au courant. Ce garçon ne détourne pas l'argent. Comment vas-tu le savoir? Ouzo, comment vas-tu le savoir? Au moment où tout ce que tu sais faire à la fin de la journée, c'est d'ouvrir la caisse et vérifier tout ce qu'il y a dedans. L'inventaire normal doit être basé sur les achats et les ventes, vous écoutez, savez. Écoutez, vous savez quoi? Comme vous le constatez, ceci paraît vraiment si clair pour ma femme que pour moi. Chérie, c'est mon domaine. C'est exact. Vous l'avez entendu? Je remercie d'ailleurs Dieu parce qu'elle est la vice-présidente de ma plateforme d'entreprise. Alors dorénavant, c'est à elle que vous allez faire vos rapports comptables chaque mois. Écoutez, si vous les faites fidèlement, alors j'ai de fortes convictions qu'elle vous aidera à avancer. Cela m'aiderait à me concentrer plus sur l'importation et sur les nouvelles usines. Je pense que ce sera tout. Merci, boss. Merci. Très bien. Ok, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, hein. Je ne m'attendais pas à un rendement si négatif de leur part. C'est bon, ils n'ont fait que commencer, c'est le début. Ils vont se rattraper, t'inquiète. Ça ira. Juste une affaire de temps. Ouzo, tu sais, cette femme risque de nous rendre la tâche difficile. Et elle ne cessera jamais de nous faire des critiques sur nos comptes. C'est tout ce que j'allais te dire. Cette femme nous emmerde et va très loin avec ses analyses. Elle ignore exactement que ce n'est pas à un singe qu'on apprend à grimper sur un arbre. Et maintenant, qu'allons-nous faire sur les remarques qu'elle a faites, sur le déficit de compte? Elle ne sera pas satisfaite tant qu'elle ne connaît pas combien nous touchons. Qui a dit qu'on ne peut jamais la tromper? Elle n'est qu'une femme, qu'elle soit comptable ou non. À moins qu'elle se permette de nous suivre jusqu'au shop ou d'inventorier sur chaque entrée et chaque sortie. On peut bien la contourner et bouffer assez d'argent que nous voudrions. Je connais le système dont elle parle. Je te dirai quoi faire. On y va, t'inquiète. Je vais juste attirer ton attention. Papa ne découvre pas encore ce qu'on est tenté de faire ici. Oui, bien sûr. Désormais, tout doit rester en secret jusqu'à ce qu'on en finisse. Cette femme constitue un obstacle pour nous. Doucement, madame. Doucement. Pardon, madame. Ça va aller. Doucement, madame. Doucement. Doucement. Viens t'asseoir. Ngozi, va appeler mon mari. D'accord, madame. Appelle mon mari. T'as le numéro? Oui, madame. T'as le numéro, j'espère. Mais ça ne répond pas. Oui, oncle. C'est moi, Ngozi. Amène le téléphone. C'est madame. Elle va pas bien. Elle a dit de venir maintenant. Dis-lui que le bébé arrive. Pardon, viens tout de suite. Amène le téléphone. Oui, je l'ai déjà. Ok. Madame, est-il en route? Il arrive? Ça, c'est quelque chose de douleur. Pardon, il vient tout de suite. Ok. Doucement, pardon. Madame. Madame, ça va passer. Chérie. Ça va passer. Chérie. Désolée. Allez, on y va. Ok. On y va. Doucement. Ok. Bébé, arrive. Désolée, madame. Bébé, arrive. Je t'en prie, chérie. Doucement, madame. Hé! Désolée. Désolée, mon amour. Amène mon sac.
Désolé. Prends le sac de bébé. Doucement. Hey! Hey! Tiens bon, chérie, ça ira, ok? Ngozi! Calme-toi, chérie, ça ira. Mais bon sang, Ngozi, où es-tu? Hey! Désolé, chérie. Très content de te voir. Bonjour. Naomi. Hey. Ah, hey. Maman. Oh. Maman, sois la bienvenue. Hey, mon enfant. Merci, maman. Hey. Comment était le voyage? Ça s'est bien passé. Hey, wow. Hey, regardez celle-là. Ma soeur. Hey, je suis contente de te voir. Ça, c'est mon petit-fils. Notre Dieu est puissant. Seigneur, tu es bon. Oh, tu es vraiment incomparable. En tout cas, mon enfant, je peux maintenant voir mon petit-fils. Oui, justement. Hey! En tout cas, mon fils. Oh, maman. Je savais que tu n'allais pas me laisser. Par la grâce de Dieu, merci. Regarde comment il... Hey! Maman, bienvenue. Mes chers, oui, c'est hey, nous. Où vous avez gagné? Maman, regarde comment nous. Ils ont pris du poids. Tu leur donnes quoi? C'est ils prennent des répondre. Vitamines, maman. Hey, Ouza. Vous êtes les bienvenus. Maman, comment vas-tu? Il n'y a pas de problème. Nous allons maman. Tous très bien. Hey. Oh. Ouzo, amenez ces fruits. Oui. Et la nourriture. Et la nourriture. Hey, mon petit, c'est tellement beau. Vraiment. Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Sois la bienvenue, maman. Merci. Mais pourquoi tu n'es pas venue avec papa? Papa viendra après. Oh, je devais être la première à venir. Maman, hein? Est-ce que tu as informé oncle James? Tu m'as oublié. C'était mon devoir, non? Bien je sûr. L'ai annoncé à tout le monde au marché. Ils étaient tous là. Hey. Il y avait beaucoup de vin, hein, les noix de cola et à manger. Il y avait tout en tout cas. Hey, Tout le monde était là. Bon, maman, comment était le voyage? Nous n'avons connu aucun problème. Hey. Je suis très contente. Hey. Hey, maman, il y a une question que je veux poser. Okay. Maman, regarde bien ce bébé, hein. À qui il ressemble? Oh bon, maman, regarde la non, maman, sérieusement, à regarde qui il bien ressemble? Son nez. Le... Non, mais maman, non, sérieusement, à qui il ressemble? Il ressemble à mon mari, ton grand-père. Ah. Oh. C'est encore une nouvelle, ça. Il ne ressemble pas, il ressemble à son grand-père. Il ressemble à son grand-père. Maman! Ravie de es voir, maman. Merveilleux, ma chère. Amen. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Chérie. Hein? C'est quoi, chérie? J'ai fait un mauvais rêve. Mauvais rêve? C'était à propos de quoi? C'est concernant le bébé? Non. C'était toi. Moi? Comment ça, moi? J'ai rêvé qu'on était attaqué par 2 hommes
Deux hommes masqués. Tiens donc, chérie. Ce n'était qu'un rêve. C'est pourquoi tu pleures. Tout ira mieux. Ok? J'ai peur. Regarde. Rien du tout ne pourra arriver. Ni à toi, ni au bébé. Mon bébé. Chérie, viens s'il te plaît. Ça ira. Mon gars, baby boy. Regarde. Je voyage justement pour une semaine, ok? Et je reviens bientôt. Baby boy, est-ce que tu comprends? Ouais, tout à fait, là tu me comprends. Ok, camarade, tu sais quoi? Prends bien soin de ta mère, ok? Sois un bon enfant. Ouais, t'es grand et fort comme ton père. Oh chérie, est-ce que tu dois vraiment voyager maintenant? Oui, comme tu sais, je dois le faire, chérie, je dois. Si je ne le fais pas, le problème des factures ne sera pas résolu. Oh. À part ça, Bouzo et Daniel sont là. Il faudra juste que tu les appelles, ok? Je te passerai un coup de fil dès que je serai arrivé. Ah, laisse-moi le porter. Oh, mec. Tu seras en retard. En tout cas. Écoute, prends bien soin de ta mère. Oh, hein. Il le fera. Ne me donne pas d'excuses. Oh, dépêche-toi, tu seras en retard. Bonjour, madame. Bonjour. C'est ça le compte qui manquait pour constituer le dossier de l'autre jour. Oh, je vois que cette fois-ci, les choses se sont améliorées. Bien sûr. Et cela me fait plaisir. D'accord. Je le lirai et je vous donnerai le compte rendu plus tard. Ok. Bye. Qu'est-ce qui t'a pris beaucoup de temps, mon cher? Oh, les embouteillages, mon frère. Ça, c'est... Tu sais.
qu'est-ce que c'est? Ça, c'est... Ça, c'est un compte mensuel. Garde-moi ce dossier. Je l'ai mis où? Ce dossier n'est pas concerné. Donne-moi ce que je te demande, s'il te plaît, rapide. Qu'est-ce que c'est? Parle-moi, qu'est-ce que c'est? Je crois avoir laissé madame. Il est dossier de notre compte secret. Qu'est-ce que tu racontes? Ouzo, je lui ai donné. Comment cela est arrivé? Comment? Juste quelques minutes avant de venir ici. Que faisait-elle lorsque tu lui as laissé le dossier? Elle lisait et elle observait. Tu n'as pas encore lu, emballe tes histoires, on y va. Vite, monte dans la voiture, vite. Laisse-moi passer. Comment pouvais-tu commettre une telle grave bêtise? Oh, ce qui est arrivé, laissons de parler seulement. Pourquoi devais-tu prendre ce dossier en premier? Je t'ai demandé de m'amener le protocole entre nous et la famille Aladjolo, comme ça, l'avocat va signer. C'est ce que j'ai dit. J'ai eu à confondre avec l'ancien dossier. En plus, j'étais pressé. Ah,
Dan, tu nous as foutu. Jésus-Christ. Tout ce pourquoi nous avons travaillé, tu les as détruits. Tout ce que nous avons prévu faire, tout cela, parti dans le rêve. Cette femme nous a toujours suspectés. Alors, voilà qu'elle a eu une preuve. Toute la preuve alors. Tous les contrats de bail, tous les loyers versés, les intérêts des voitures vendues, tout cela. Elle ne va pas seulement nous foutre en dehors de cette maison, mais elle nous amènera en prison. Seigneur, mon cher, tu nous as tués. Ouzo, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Réalises-tu pas un instant que tout ce que papa nous avait dit s'est vraiment réalisé? Ne baissons pas les bras à cause de ce qui est arrivé. Au contraire, cherchons à découvrir ce qui se cache derrière ces mystères. Ne baissons pas les bras à cause de ce qui nous est arrivé maintenant. Nous devons beaucoup réfléchir à ce sujet. Comment penses-tu parvenir? Comment allons-nous y arriver? Elle a déjà vu tous les documents. Même si nous brûlons ces documents, tout ce qu'on doit faire, c'est l'empêcher de le dire au grand frère. Comment? La tuer. Quoi? La tuer? On n'a plus de choix. Vas-tu accepter de rentrer au village honteux et pauvre? Alors que Ndoka et sa femme resteront heureux. As-tu oublié notre mission de départ? C'est de tuer Ndoka et de reprendre son business. Ouzo, comment allons-nous faire ça? Moi, je n'ai jamais tué avant. Ah, j'ai déjà tué 1 million de personnes. Ouzo, pardon, explique-moi d'abord. Patiente qu'on quitte d'abord ici. C'est l'unique voie pour survivre. Tu ne le réalises pas? Tout peut arriver. Nous devons trouver une solution. S'il te plaît, on y va. Déplaçons-nous d'ici. Je m'énerve déjà. Alors, si nous ne réussissons pas cette fois-ci, c'est fini pour nous. Demain, Onduka va l'appeler. Elle va le lui dire et nous serons foutus. Ouzo, je te félicite. Mais la question est de savoir comment le faire. Alors, entrons dans sa chambre. Ce que nous viendra à l'esprit, on l'exécute. Ah. Ah, Ouzo. Avec cet homme, c'est un peu risqué. Si on y réfléchit encore un peu, elle doit être tuée et que personne ne sache qu'elle est morte. Mais je connais quelqu'un qui peut relever ce défi. C'est vraiment un tueur professionnel. Premièrement, faisons tout de la tirer à l'extérieur. Que vas-tu dire à la police? Sortir à 7 heures de la nuit? Lorsqu'ils vont commencer à nous poser des questions. Ça c'est vrai, hein? C'est vraiment vrai. Mais attends. Juste un instant. Tu te souviens de Kennedy? Kennedy? Kennedy! Oui. Tu connais Kennedy? Il se battra si c'est pour ce soir. Écoute. Nous lui dirons que nous l'amènerons là-bas. Nous l'amènerons là-bas, puis lui tuera. Et je t'assure, personne ne le saura. Et pour ce faire, nous devons créer un parfait. Quoi? Tu veux dire alibi? Oui, un alibi. Un alibi parfait. Je voulais également... Attends. Qui dit Angazi? Tu ne dois pas t'inquiéter pour elle. Elle dort comme une folle. Satisfait.
Bonsoir, madame. Hey, bonsoir, Ouzo. Naomi, bébé, ça va? Bébé, pourquoi dors-tu? Madame, je viens juste vous informer que Daniel et moi, nous allons assister à une soirée d'enterrement cette nuit même et nous allons rentrer demain matin. Soirée d'enterrement? Ah, ok, mais est-ce que vous avez informé à la sentinelle? Ok, veuillez lui tenir au courant pour qu'il puisse bloquer la porte et ne pas vous attendre la nuit. D'accord. Et surtout, ne conduisez pas en buvant. Madame, vous savez, on ne prend pas de la bière. Ok. Amusez-vous bien. Quoi, veux-tu l'emmener avec toi? Allez, prenez soin de vous. Ngozi, donne-moi le bébé. Donne-moi le bébé, hein. Je vois que tu as sommeil. Mmh? Donne-le-moi. Allez, bonne nuit. Va te coucher. Ah. Oh, c'est fini, chérie. Et bloque cette porte. C'est fini, bébé. Yes, Ngozi? Ouzo. Ah, Ouzo? Entre, la porte n'est pas bloquée. Madame. Ah, Ouzo, tu n'es plus allé à la fête? Ah, ou oui, quoi? Madame. Justement, il y a un grand problème. Alors, nous sommes en train de voir comment est-ce que. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est qui? Qui là? Qui?
Oga, nous allons à une soirée d'enterrement. Hein, tu as dit? Mais ça veut dire quoi ces mots? Une soirée, une manifestation, ce soir, oui. Que je fasse quoi alors? Ta sale bouche. Moi, Rambo, rendrai ta mort plus pénible. Car je te couperai encore et encore. S'il vous plaît, je vous en prie. Ta gueule! Daniel? Daniel, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mon bébé. Où sont passés ces documents? Le document dans les dossiers confidentiels. Il fallait me le dire. C'est à cause de ce document? Mais j'allais vous le remettre. Qu'est-ce que je ferai avec? Oh, la question de savoir où est les dossiers? C'est dans l'armoire. À côté de mon lit. Dans ma chambre. Vous pouvez aller le prendre. Allez le prendre. Mais je n'arrive pas à croire que mes propres maris pourraient me faire du mal. Ouzo, Daniel, qu'est-ce que je vous ai fait de mal? En quoi est-ce que je vous ai offensé? Tu as été vraiment un obstacle. Et tu dois savoir maintenant, ce qui suivra serait d'éliminer ton arrogant de mari et de tout obtenir à la fin. Et tu sais quoi? Tu as vraiment été un obstacle pour nous. Non. C'est la curiosité qui a permis au singe de recevoir une balle sur son front. Dans l'au-delà où tu vas, je t'en prie, occupe-toi de tes affaires. Oh, mon mari. Mon Rambo. Bébé. Fais ton travail. Ouzo. Pardon. Je t'en prie. Ne me tue pas. Pitié, je vous en prie, j'ai un bébé, il vient de naître, ne tue pas pardon, as-tu un enfant? Est-ce que tu es marié? Pardon, pardon, je t'en prie, je te donnerai tout ce que tu voudras, tout ce que tu voudras. Tu n'as absolument rien à m'offrir, rien du tout. Peut-être dans ta vie future, lorsqu'on me confie un travail, je le fais comme convenu. Adieu. For your crime, oh yeah, my soul.
Bienvenue, grand frère. Bon retour, grand frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes les bienvenus. Pourquoi tout le monde est à la maison en ce moment? Ozo, est-ce que tout va bien? Non, grand frère. On n'a pas vu madame depuis 3 jours passés. Que veux-tu dire par vous n'avez pas vu madame il y a 3 jours? Hein? On a eu à tout faire. Nous sommes allés partout. Nous sommes allés même alerter la police. Mais on ne l'a pas toujours retrouvée. Ozo, qu'est-ce que tu as dit que c'est arrivé à ma femme? Est-ce que quelqu'un peut tout de même me dire ce qui se passe ici avant que ma tête ne puisse s'exploser? Grand frère, un jour après votre voyage, c'était le vendredi, nous étions allés à une soirée d'enterrement. Quand nous sommes rentrés le matin, nous ne savions pas ce qui s'est passé la nuit. Plus tard, le bébé pleurait dans la journée. Alors nous avions demandé à Ngozi, où serait passée madame? Elle a dit qu'elle ne savait pas. C'est Ngozi qui est allé sortir les bébés de la chambre après qu'il ait pleuré depuis toute la journée. Voulez-vous dire que j'ai laissé ma famille et ma maison sous votre responsabilité et vous êtes sorti pour aller fêter, c'est ça? Désolé, je suis désolé. Ngozi. Où est ta patronne? Patron, je comprends pas tout ça. Je me suis réveillée le matin. Je pensais que madame était dans sa chambre. Et quand j'ai entendu Junior pleurer, j'ai compris qu'elle n'était pas là. Attends, attends, attends. Quand l'as-tu vue en dernier? La nuit, patron, avant de dormir. Et tu n'as rien entendu? As-tu vu quelqu'un entrer ici? Non, patron, j'ai rien vu. Qu'est-ce qui se passe juste? Mahmoud! Mahmoud! Mahmoud, où es-tu? Oui, Oga. Mahmoud? Oui? Sais-tu que ta patronne n'est plus dans cette maison? Non, elle est là. Comment t'as appris? Sûr. L'as-tu vu en train de sortir? Non, non, patron, je ne l'ai pas vu sortir de la maison, sérieux. Et tu n'as pas non plus vu un étranger entrer dans cette maison? Je jure devant Allah, je n'ai vu personne, patron, personne n'est entré ici. Écoutez, êtes-vous en train de dire que ma femme a disparu ou quoi, hein? Écoutez, vous deux devez donc faire un effort de trouver ma femme, sinon quelque chose de mal va arriver aujourd'hui. Regardez-vous, regardez-vous, allez, quittez, 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 dégagez, quittez là. Ouzo, Daniel, venez ici vous deux. Daniel. Bon frère. Venez ici tout de suite.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Et donc mes 100 000 dollars? Bon frère, on n'a pas touché à ça bien qu'on cherchait madame. Mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? Je ne sais pas retrouver ma femme. Je ne sais pas retrouver mes 100 000 dollars. Écoutez, mes amis, où sont mes 100 000 dollars? Allez, amenez-moi dans votre chambre. Amenez-moi dans votre chambre. Ouvre ce sac de merde. Et toi, allez. Grand frère, pourquoi tout ça? Es-tu en train de me suspecter ou quoi? Voler ton argent? Nous ne pouvons pas poser de pareils gestes aussi longtemps qu'on est ici. On n'a pas touché à ça en tout cas. Nous avons rien eu, s'il te plaît. Nous l'avions trouvé dans cet état-là. Peut-être c'est madame qui a eu tous ces dollars. Comment oses-tu dire une telle sottise? Tu veux dire que ma femme abandonnerait mon enfant juste à cause de ces petits billets de dollars? Ah bon sang! C'est comme si vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe concernant ce sujet. Beau-père. Bonjour, monsieur. Douga. Monsieur. Ça, c'est les dollars. Prends tout. Si tu en veux plus, je t'en donnerai. Ramène-moi ma fille. Monsieur, mais je ne comprends pas. Comment pourras-tu comprendre? Et tout ce que tu sais, c'est d'aller raconter toutes sortes de bêtises au sujet de ma propre fille? Moi? Ah, Chifumadi! Comment as-tu pu dire que ma fille t'a volé tes dollars et a pris fuite? Comment as-tu pu le faire? Pour rien au monde, je ne ferai. Ferme ta gueule! Alors, comment as-tu pu être porteur d'informations? Je n'en sais rien. Ferme ta gueule! Comment as-tu eu l'argent pour ta première occasion? C'était pas grâce à moi? Qu'est-ce que tu étais lorsque je t'ai rencontré, Tota? Tu n'étais rien! Et aujourd'hui, tu accuses ma fille d'avoir volé l'argent. Ah, monsieur, mais je ne peux... Garde silence! Alors, comment es-tu devenu porteur d'informations? Peut-être je me trompe alors! Monsieur, je n'en sais rien! Je peux maintenant comprendre que tu es à la base de la disparition de ma fille. Non, monsieur, je suis juste de retour et je... Ah oui, cela faisait partie de ton plan, de laisser tes deux frères la faire ce travail. Inspecteur. Monsieur. Faites allez. Arrêtez-les tous. Inspecteur. Arrêtez-les tous. Avance. Inspecteur, je vous en prie. Avancez. C'est une affaire familiale. Allez. Avancez. Laissez alors ces garçons innocents. Criminels. De quel innocent parlez-vous? Allez, on avance. Avancez. Voulez-vous la fermer et avancer? Allez, avancez.
En avance, espèce de criminel. Papa. Papa. Allez, entrez, entrez, entrez. Allez. My wife is gone, gone forever. Naomi, my wife, where are you, my love? Where are you, my love? My love, I am not looking for you. Tu veux pas, en te donnant de l'eau, tu veux pas. Tu fais quoi là, hein? C'est quel genre de bébé ça, hein? J'en ai marre de toi, je te donne de l'eau, tu veux pas. C'est quoi là? C'est quoi même? Avec. Ah! Ah! Personne l'a vu sortir. Ah ah. Ou bien c'est un esprit qui est venu l'enlever. La première fois que moi j'avais vu cette femme, j'ai su qu'elle était au Banjé. Je suis sûre qu'elle est retournée dans leur monde esprit. Hein? Tu les connais très bien, non, Odi? Elle est allée là où ils font leur fétiche. Neka a raison. Il n'y a que les femmes de cette tribu qui peuvent se comporter ainsi. Imaginez un peu. J'ai aussi pensé ainsi. Abandonner un bébé qui vient de naître pour disparaître. Ça m'étonne. Ah bon? Sans effet, abomination. Non, ils ont été relâchés. Mais c'est un méchant monsieur. Imagine un peu, ces enfants étaient très occupés à travailler. Ils ont créé cet argent. Cette femme travaillait aussi pour amener de l'argent à son mari fantôme. Dans une affaire pareille, tout le monde vraiment est suspect. On n'épargne personne. Alors, c'est pas la vérité. Oh, mes frères, Dieu seul sait, nous comptons sur lui. Le monde est très mystérieux, cher frère. Mmh. Alors s'il te plaît, sois fort, je le serai. Et toi, Ejofo, nous avons appris que tes enfants étaient arrêtés innocemment. Mon nom est Ejofo. Ejofo ne sait rien. Et c'est là ma philosophie. Vraiment désolé. Sois prudent. Et nous comptions venir chez vous. Et maintenant que nous vous avions vu ici, nous nous rejoignons à votre douleur. Oui, il a raison. Soyez courageux. Ok. Merci. Ok. Merci beaucoup. Ok. How could you do this to me? After all I did, I gave you a life. Wanted me dead, you have destroyed me, you have taken her away. Naomi, my love, where are you, my love? Oh, my baby, Naomi.
Sometimes I wonder if it's a dream. I open up my eyes to face reality. My wife is gone, gone forever. Nduka, ta vie est en danger. Tes frères veulent te tuer. Ils veulent te tuer, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Nduka, tes frères veulent te tuer, c'est... Mais écoute-moi un peu, ferme la musique, qu'est-ce que tu fais, mon Dieu? C'est vraiment urgent. Oh, gloire à Dieu, tu m'as entendu. Nduka, ils vont t'éliminer et prendre tout ce que tu as. Tu dois agir, Nduka. Nothing without you, my love. Now only my love. I am Madame! J'arrive! Dépêche-toi! Que désirez-vous, monsieur? Avez-vous de la viande? Oui! Amenez-moi deux morceaux! Ok! Madame, oh, c'est à moi aussi, non? Je suis là depuis longtemps! Je suis désolée, monsieur! J'attends ma commande! Vraiment désolée, hein? Vraiment désolée! Ils sont toujours en train de préparer ton repas! Hein? Très bientôt, vous l'aurez! Je vais vous apporter quelques boissons! Et sois rapide! D'accord! Mais où est passée cette fille-là? Désolée. Pour venir me déranger. Dis-moi, comment tu l'appelais? Tu m'as pas écouté. Je l'appelle Madame O. Madame O. Tu habites les environs? Oui, quelque part, non loin d'ici. Et tu viens ici souvent? Deux fois. Y a-t-il un problème? Non, y a pas de problème. T'es sûr? Très sûr, tout va bien. Je voulais juste savoir quoi. Ne sais-tu pas qu'ici c'est mon territoire? Donc tu es aussi? Oui, je suis aussi morte. Ne vois-tu pas cela? Réponds à ma question. Pourquoi es-tu là? Qui t'a envoyé? Pour quelle mission? Personne ne m'a envoyé. Personne ne m'a envoyé, je passais juste. Écoute, s'il te plaît, je cherche de l'aide. Il y a un problème que j'aimerais résoudre. Je veux rentrer dans mon corps. Revenir à ton corps, oui. Tu es sûrement à la poursuite de quelqu'un. Dans cet état-là. Fais gaffe. Sinon, tu seras hanté aussi. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai laissé mon corps pour une réunion avec mes gens. Je suis revenu et je n'ai pas pu entrer dans mon corps. Je suis allé le chercher partout comme toi, espérant de le retrouver. Mais il était déjà trop tard. J'ai été rejetée de l'autre côté aussi. Alors, je suis coincée entre les deux. Jusqu'à la prochaine génération. Quand je pourrai rejoindre les esprits. Mais comment est-ce que tu arrives à parler aux vivants? Et ils t'entendent? Tu prépares, tu les sers et ils peuvent te toucher? Comment? Cherche à le savoir toi-même. Je ne vais jamais te le dire. Je ne veux aucun envahissement dans ce territoire. Non, je ne suis pas venue ici pour chercher la guerre. Sors d'ici! Non, je ne suis pas là pour te faire concurrence. Je dis sors d'ici avant qu'un malheur ne t'arrive. Sors d'ici! Je ne suis pas là pour une compétition. Va-t'en d'ici! Pardon? Va-t'en! Va-t'en! Espèce d'idiote!
Oui, prends tout seul. Oncle Adindou. Bon après-midi. Ok. C'est toi? Oui, c'est moi. Comment tu vas? Je vais bien, ça fait longtemps. Ça fait un bail. Donc t'es encore en vie? Oui, je suis en vie. Tiens. Depuis quand tu es rentré? Juste avant-hier. Ok, juste assis-toi que je dépose ces trucs. Tigné. Oui, mon oncle. Viens, nous avons de la visite. Que pouvons-nous t'offrir? Oh, ne te dérange pas, j'ai déjà pris quelque chose. Ah non, 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 c'est juste que ne te dérange pas, bon, j'ai à te dire. Oh, bon après-midi, j'ai à te dire. Ok. D'accord, merci. Oncle, comment tu as pu permettre à Obiageli d'aller ouvrir un restaurant à Lagos? Apparemment, tu es bien détendu ici. Tu laisses ta femme d'aller loin de toi pour chercher la vie. Et tu sais bien que le travail des restaurants à Lagos n'est pas un travail honnête. Tu sais ce qui arrive. N'importe qui traitera ta femme, n'importe comment, ainsi de suite. Outé, as-tu perdu la tête? Es-tu malade? Oui, je vais bien. Alors, de quoi es-tu en train de parler? Oncle, simplement, je n'ai pas apprécié ce que j'ai vu. Ça m'a vraiment choqué. Voilà pourquoi je suis venu discuter en personne avec toi. De toute façon, ce n'est pas de ta faute. Puisque tu vis loin du village pendant plusieurs années, tu ne peux que parler comme étranger. Mais s'il te plaît, n'ose plus jamais me faire souvenir de ce que j'avais décidé d'oublier. S'il te plaît, il y a de cela une année. S'il te plaît, je ne veux pas... En tout cas, je attends, ne veux pas. Oncle, attends. Ah, quel est le problème? Quel est le mal que je dis? Ogadili est morte il y a de cela une année. D'ailleurs, viens. C'est ça qu'on avait utilisé pour célébrer une année de sa mort. Je pense que tout est clair. Parles-tu? Sa tombe est derrière la maison. Mais j'ai vu Ogageli la semaine passée. Je m'ai mangé dans son restaurant. Sans effet. Que Dieu nous épargne du mauvais jour. Ce ne sont que des spéculations. Oncle, je ne plaisante pas, c'est vrai. Tu fier quoi? Tu veux dire que tu aurais vu ma femme Obi? Oncle, je dis j'avais vu Ogageli. Comment dirais-je? Attends. Ah! Écoute, sa mère et sa sœur sont là. Écoute-moi. L'as-tu appelée et qu'elle a accepté? Je ne l'avais pas appelée, hein. Mais on l'appelle Madame O. Je me suis renseigné aux gens des environs, mais personne ne connaît son nom. Voilà pourquoi je n'avais pas pu appeler son nom. Peut-être elle ne m'aurait pas pu reconnaître. Je n'avais pas voulu l'embarrasser, car j'ignorais ce qui s'est passé entre vous. Madame O. Où en es-tu certain? Tu en es vraiment sûr? Dis-moi. Laisse-moi te dire la vérité. Je jure même sous ma vie. Obegeni, encore en vie? Oncle, je t'ai dit vrai. Je mets même ma vie sur ça. Je t'ai dit, je l'ai vu avec mes deux yeux. À Lagos? Je te propose alors, c'est samedi. Viens à Lagos. Et si tu ne me crois pas, tu peux alors te préparer pour le voyage. Nous allons ensemble. Et je prends même en charge les frais de ton voyage. C'est la pure vérité, hein? De ce que j'ai vu. Oh, Billy à Lagos. Je suis désolée, mais je suis là. Soyez là, les bienvenus. Que voulez-vous boire? Haricots, je crois. Et vous? Et vous, monsieur? Haricots également. Ok, pas de problème. Lily? S'il te plaît, apporte deux petites bouteilles de bière et une grande bouteille, vite. Oh, madame, oh, juste là, la sœur nous a amené seulement les foufous. Mais où est le poisson? Je suis désolée. Comment vous le voulez? Non, attends.
Ma chérie, ok, passe-toi un peu, on passe-toi un peu seulement. Ajoutez un morceau de poulet. D'accord, c'est bien noté. Dépêche-toi. Me voilà. Où? Voici ta boisson. Bien. Regarde bien cette femme. Où t'es? Ça, c'est ma femme au Biguéné. Je te l'avais bien dit. Jésus-Christ. As-tu déjà mangé ici? Oh, je t'avais dit que j'avais mangé ici. Tu mangeais ici? J'avais mangé ici. Ce n'est pas possible. Ça, c'est ma femme au Biguéné. Allons-y, lui parler un tout petit peu. Oncle, ce serait mieux que tu ailles aussi à ton tour. Mon cher, sois devant, c'est toi qui m'as amené ici. Regarde, c'est elle. Regarde-le. Obi! S'est introduit dans ma demeure. Vous me voyez? Je peux te voir. Je peux te sentir. Et t'écouter. Alors aidez-moi. Êtes-vous mort aussi? Je ne suis pas mort. Encore moins j'appartiens au monde des ténèbres. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne me suis jamais croisée avec une personne vivante. Qui peut m'entendre? Mais vous m'entendez? Je faisais aussi partie des vivants. Le monde des hommes et des femmes péchèrent. Je faisais partie. Jusqu'à ce que je comprenne que c'était une erreur. Je te demande quelle est la nature de ta visitation. Parce que mes voisins sont des oiseaux du ciel. Je suis au service de cette forêt. Tout le matin, je suis en communion avec les anges des dieux. J'attends le temps des dieux dans ma vie. Je suis Thérivores. Parce que certains réclament leur innocence. L'esprit du Seigneur du ciel campe dans ce temple. Maintenant, pourquoi es-tu dans ma demeure? Je ne veux pas être dérangé. Les frères de mon mari m'ont tué. Parce que j'ai découvert qu'ils escroquaient mon mari. Et maintenant, ils veulent le tuer. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Je veux que vous puissiez le prévenir. Parce qu'ils veulent le tuer aussi. J'ai essayé de communiquer avec lui. Mais il ne m'entendait pas. Le spirituel et le matériel ne peuvent être mélangés.
Je ne peux pas m'impliquer dans une cause à but matériel. S'il vous plaît, je vous en prie. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Il ne s'agit pas d'une position matérielle. Les mêmes personnes qui m'ont tué veulent tuer mon mari. S'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez lui parler. Et mon bébé? J'ai un bébé qui n'a que 2 mois. S'il vous plaît, je vous en prie. Pardon. Je peux voir que tu es innocente. Que souhaites-tu que je lui dise? Dites-lui que ce sont ses frères qui m'ont tué. Parce que j'avais découvert les documents des maisons qu'ils étaient en train de construire et des voitures qu'ils achetaient avec son argent. Dites-lui qu'ils veulent lui faire du mal. Dites-lui qu'ils ont enterré mon corps dans la brousse, tout près de la maison, là où je vous montrerai. Femme, tu me renvoies au monde que j'ai rejeté, un monde que j'ai abandonné, un monde de péché. Mais je partirai parce que tu es innocente. Quelle est l'adresse? Je veux transmettre ton message. Numéro 25 de l'avenue Orenuma. Ma réflexion sur ce dossier est que quelques criminels auraient entré dans cette maison à l'absence de vos 2 frères. Ils ont affaibli votre femme. Ils ont pu l'enlever. Et ils attendent une rançon. Et ils attendent que tu poses le tout premier geste. Inspecteur, toutes ces choses ne font que semer la confusion. En fait, je n'arrive tout. Allô, c'est qui au téléphone? Ah, Félix, quoi de neuf? Oh non, rien du tout. Il n'y a pas de suite favorable, mon frère. Ouais. Oui, je le ferai. Oui, je le ferai. Très bien. Ouais, je te passerai un coup de fil de toute façon, oui. Très bien. Bye. S'il vous plaît, jeunes gens, déplacez-vous, laissez-moi parler avec votre grand frère. Ok. Monsieur Unduka, je... Voilà, ils sont là. Bon, voyez-vous, j'espère que... Vous comprenez qu'on n'a pas encore le vrai résultat. Donc nous voyons comment nous pouvons faire. Je ne comprends pas. Comment ça jusqu'à ce moment? Il n'y a aucune suite. Il n'y a aucune évolution. En fait, ces problèmes me rendent vraiment misérable. Bon, dans quelques jours, vous aurez le résultat. Oui, qui es-tu? Qui cherches-tu? Je cherche le propriétaire de cette maison. Quel est le problème? Je ne me rappelle pas t'avoir fixé un rendez-vous. Je n'ai pas de rendez-vous avec des mortels comme toi. Mais j'ai plutôt un message à délivrer. C'est quoi le message? Ta femme, Naomi. Elle m'a dit de te rapporter que c'est ton frère, Daniel, qui l'a tué. Mais... Ferme ta bouche! Ferme ta bouche! Sors! Je dis sors! Je suis simplement un messager. Le messager d'un esprit gentil, innocent. Où j'ai cet endroit maintenant, je t'ai dit non. Quitte. Quitte cette personne. Prophète, non. Vous êtes trompé de personne. Ceux-là sont mes meurtriers. Ce sont les frères de mon mari. Non, entrez, mon mari est à l'intérieur. Alors, femme, alors.
Je t'avais bien dit que je ne fais plus partie de ce monde de pécheurs. Tu n'avais pas pris en considération ce que j'avais dit. Non, non, prophète, non. Cet homme était fou. Mahmoud. Présent, Oga. Viens ici. Tu dois bien faire attention. Comment oses-tu laisser un fou entrer dans cette maison? Je te mets en garde. Ouzo, qu'est-ce qu'il y a? Grand frère. Qui est cet homme-là? Ce garçon peut nous créer d'ennui un jour dans cette parcelle, monsieur. Imaginez-vous, il laisse entrer un fou dans cette parcelle pour nous battre avec ses armes blanches. Mahmoud. Oga. Comment as-tu fait entrer un fou dans ma parcelle? J'ai dit la vérité. Je ne savais pas qu'il était fou. Je ne savais pas qu'il était fou. Peux-tu imaginer ça? Je commence à comprendre que ce garçon est à la base de l'enlèvement de ma femme. S'il faut que le criminel entre dans la maison, il serait passé par où en premier lieu? Oga, s'il vous plaît, ne dites pas cela. Je n'ai jamais participé à l'enlèvement de votre femme. Wallahi, je jure au nom de Dieu. Et toi, retourne à ton poste, imbécile. S'il faut bien regarder les choses, je souhaite qu'on puisse encore investiguer sur ce cas. Les cas pareils sont très compliqués que vous le pensiez d'ailleurs. Je vous rappelle demain pour vous dire la suite de ce dossier au niveau du bureau. Ok. Inspecteur, je vous en remercie. Ok alors, très bien, bye. Dis merci à Dieu parce que tu as la liberté pour réconcilier tous tes litiges sur terre. Avant les derniers appels, tu as un temps bien limité. Tu dois faire vite car ton temps est en train de passer. Sinon tu seras totalement rejeté par le monde spirituel et le monde physique. C'est pourquoi j'aimerais que vous le fassiez pour moi. Vous avez livré le message aux mauvaises personnes. Je veux que vous puissiez réparer cette erreur. S'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez aller livrer le message à mon mari. Je vous en prie. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de messagers. Je ne veux plus retourner dans cette maison, car ils ont défié mon esprit. Pardon. Je vous en prie, juste cette dernière fois. Femme, je ne vais pas être dérangée. Alors aidez-moi à le faire toute seule. Si tu as le pouvoir, peux-tu te battre seule? Pourquoi pas? Si seulement je pouvais toucher un stylo, ou même du sable. Prophète, ne savez-vous pas que la vengeance d'une femme en colère est plus que la rage d'une grande armée? Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu dois enlever tous ces désirs. Concentre-toi. Détends-toi pour réussir à faire les contacts. Et rien ne serait impossible. Tu dois te concentrer. Donc vous voulez dire que je peux toucher les objets? Oui, tu peux toucher tout objet physique. Si seulement tu observes mes instructions. Détends-toi. Concentre-toi. Concentre-toi. Anxiété, colère, toute la fureur. Détends-toi et reste concentré.
J'essaie. Ça ne marche pas. J'ai dit détends-toi. Colère. Concentre-toi sur ce que tu fais. Reste concentré. J'ai touché! Oh mon Dieu, j'ai touché! J'ai touché des objets! Oh mon Dieu, c'est pas vrai! Ah, je touche les objets! Je n'arrive pas à vous toucher! Pourquoi? Tu ne peux pas toucher tout ce qui est sang et chair humaine! Car tu n'as pas été fortifié avant ta mort et ton enterrement. Prophète, je vous suis vraiment reconnaissante pour ce que vous avez fait. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Attends, ne te presse pas, attends. Dans cette chambre, hein? Aïe! 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 Ah bon? Aïe! 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 Je peux voir du sang. Jeune homme, vos mains sont suées. Mboloto, mboloto. Essuyez vos mains ici. Regarde-moi ça! N'importe quoi! Daniel,
Maman, qu'est-ce qui se passe? Hein? On était en train de parler. Et puis après, je ne comprends pas. Frère, frère. Ouzo. 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 S'il te plaît, lève-toi. S'il te plaît, Ouzo. Ouzo. Je t'en supplie. Ouzo. Oui, inspecteur. Oui, on est déjà là. Ils sont tous là et ils vous attendent. Oui. D'accord, d'accord, sans problème. Merci. Comme je vous disais, c'est pour cette raison que je vous ai fait venir. Juste pour que vous m'aidiez à comprendre ce que j'ai vu. J'ignore pour quelle raison leur papa a refusé de venir. Malgré le fait qu'il soit absent, nous allons ensemble poser des questions à Daniel pour qu'il nous explique ce qui lui est arrivé. Parce que jusqu'à présent, je ne comprends rien. Ah, ok, les voilà qui arrivent. Monsieur Ndouka, ce monsieur dit qu'il a des choses à vous révéler. D'accord, on t'écoute. Où est mon papa? Nous lui avons demandé de venir avec nous. Et il a dit non. Je savais qu'il n'allait pas venir. C'est lui qui nous a foutus dans ce pétrin. Il nous a encouragés à rejoindre Ndouka dans ses affaires. Et de le tuer pour prendre le contrôle de tout. Et de posséder ses richesses. On planifiait comment faire cela lorsque sa femme, Naomi, a découvert les papiers des investissements que nous avons faits dans un dossier que je lui avais remis par erreur. Il y avait tout dans ces documents-là. Les factures, les voitures que nous avons achetées, les titres fonciers de nos terrains, les relevés de comptes que nous avons. Pour camoufler tout cela, je n'avais pas d'autre choix que de la tuer. Hey! Avec l'aide d'un criminel que nous avons engagé. Et après, nous l'avons enterré dans une forêt près d'ici. Ah ah! Mais laissez-moi! Laisse-moi le tuer! C'est l'assassin de mon enfant, non? Laissez-moi! Laissez-moi, s'il vous plaît, monsieur l'inspecteur! Je vais lui faire la peau! Je vais le tuer! Hey! Agbaya! Quelqu'un qui t'a pris au village, Daniel! Hey! J'avais moi refusé ceci! Mais personne ne voulait m'écouter! Et c'était l'esprit de cette femme qui m'a poussé à faire cela. Je n'ai jamais eu les intentions de tuer mon propre frère. Jamais. Cet esprit m'avait dominé. Ça venait souvent dans notre chambre. Il nous perturbait tout le temps. Maintenant, mon seul souhait est de mourir. Ça, c'est bon pour toi. C'est bien fait pour toi. Dieu va te punir. Tu vas te punir, Daniel. Tu vas mourir, Daniel. Tu mérites la mort. Tu vas te punir. Il va te punir, Daniel. Hey, on ne peut plus aider quelqu'un sur cette terre. Qui êtes-vous? Que cherchez-vous ici? Il y a quelque temps, j'étais ici pour porter un message. Un message particulier venant de votre femme Naomi. Mais j'ai été repoussé par ce monsieur. Ils m'ont traité de malade. Que la pluie soit drue ou pas, elle finit toujours par s'arrêter. Aujourd'hui, le chasseur est devenu le chassé. Maintenant, écoutez votre femme Naomi. Elle est venue vous parler. Dis-lui d'être courageux. Elle vous demande d'être courageux. Dis-lui que je m'en vais et que je pars pour toujours. Elle dit qu'elle s'en va et ce pour toujours. Dis-lui de ne pas être triste parce qu'il sera toujours dans mon cœur. Dis-lui de continuer à être bon avec les gens et de ne pas être découragé par l'acte de ses frères. Que chaque chose qu'on fait, qu'on finit toujours par payer.
Ne sois pas triste à cause de moi. Prends soin de l'enfant. Dis-lui que je l'aime. Et que je pars en paix. Elle dit que maintenant elle peut s'en aller en paix. Prophète, si je dois croire en vous, pourrais-je la voir? Naomi! Naomi, s'il vous plaît, allons. Car le temps qui vous est imparti tire à sa fin. Naomi, partons. Naomi, il faut partir. Partez, Naomi, partez. Naomi, il est temps. Naomi, partez. Vas-y, dis-nous ce qui se passe. Mais explique-nous, Duka. Amenez-le. Tu ne peux pas te laisser aller comme ça, mon enfant. Oh, ma baby. How could you do this to me? After all I did, I gave you a life, but you wanted me dead. You have destroyed me. You have taken her away. Sometimes I wonder if it's a dream. I open up my eyes to face reality. My wife is gone, gone forever.